Bonjour, je m'appelle Pierre Césaro et je suis médecin et enseignant de neurologie dans le groupe hospitalier Henri Mondor à Créteil. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet de la maladie de Parkinson et pour cela nous serons trois avec Laure qui est patiente et nous connaissons depuis une dizaine d'années et Claire qui est chef de clinique de neurologie dans notre service. Le sujet de la maladie de Parkinson a avancé au cours de quelques siècles récents et on va faire un raccourci historique un peu rapide avec tout d'abord les travaux d'un docteur James Parkinson, un médecin anglais qui à l'âge de 60 ans a décrit 8 patients dont la plupart étaient suivis par lui-même et d'autres ont été simplement observés dans la rue. Et il a décrit une maladie qu'il a appelée la paralysie agitante. Et donc il y a deux composantes dans cette affection. D'une part, le mouvement anormal qui est un tremblement qui survient essentiellement au repos. Et d'autre part, ce qu'il a qualifié de paralysie, qui n'est pas en fait tout à fait une paralysie, on va y revenir, et qui est une difficulté à effectuer certains gestes. Alors Laure, parlez-nous un petit peu de cette difficulté à bouger. Alors oui, effectivement, moi j'ai plus de difficultés à bouger que de tremblements, mais en fait je dirais que ce sont les gestes que l'on fait naturellement, quotidiennement, qui deviennent difficiles, quelquefois impossibles, et puis douloureux. Donc marcher, utiliser ses mains pour écrire, des gestes auxquels on ne pense pas, bah c'est, voilà, on ne peut plus les faire. Donc, je peux vous donner l'exemple, par exemple, pour vous donner, pour vous situer un petit peu les difficultés. Imaginez que vous avez au poignet un sac de course rempli et que vous voulez allumer la lumière, c'est-à-dire faire ce geste-là avec le sac de course, donc avec les difficultés que ça représente, le fait que vous n'arrivez pas bien à viser et puis les douleurs que ça engendre. Voilà. Alors quelquefois, c'est tous les muscles qui sont comme ça tétanisés. Et qui rendent la vie quotidienne un petit peu difficile. Alors, on le verra un petit peu ultérieurement, mais les circuits moteurs sont bons, et simplement, ça manque un petit peu de jus pour que ça tourne, comme un moteur électrique dont les piles seraient un peu trop faibles. Et ce jus s'appelle la dopamine. Alors, on en vient 50 ans après James Parkinson. Jean-Martin Charcot, un grand neurologue qui a inventé la discipline neurologie, qui a dit « il n'y a pas de lésion visible dans les cerveaux des patients atteints de maladie de Parkinson, et donc c'est peut-être une névrose. » Et son élève qui lui a succédé s'est opposé à ce point de vue et a permis, avec un jeune étudiant russe qui s'appelle Tretiakov, de montrer qu'il y avait une lésion qui consistait en la disparition de certains neurones dans une zone du cerveau très petite qu'on appelle la substance noire. Elle est noire parce que les neurones contiennent un pigment, un colorant qui est la mélanine, et ces neurones disparaissent. Donc ça, c'est les découvertes du 19e siècle. 60 ans plus tard, la découverte majeure a été de montrer que chez les patients qui souffrent de maladie de Parkinson, eh bien, on a moins de dopamine dans le cerveau. On en élimine moins dans les urines, il en manque dans le système nerveux, et ça a donné l'idée à un médecin autrichien d'administrer le précurseur de la dopamine, qui s'appelle la levodopa, par voie intraveineuse, à quelques patients atteints de maladie de Parkinson. Et ça a été une découverte extraordinaire, la première fois qu'on a trouvé un traitement capable de retourner les symptômes au cours d'une maladie neurologique, à la suite d'une découverte logique. Et c'est un peu l'époque moderne de la maladie de Parkinson. Dans les années 70-80, une autre catégorie de médicaments qui agissent sur la dopamine a été mise en place. On appelle ça les agonistes de la dopamine. Dans les mêmes années, la stimulation électrique du cerveau a été mise en place. On va passer maintenant au 21e siècle et je crois qu'il y a trois choses importantes à dire. La première, c'est qu'il n'y a pas une, mais des maladies de Parkinson. C'est un peu illustré sur cette image où on voit un cerveau vu de profil et puis une coloration qui est d'autant plus foncée que les lésions sont plus importantes. Et on voit que sur quatre lignes différentes, on a une évolution qui n'est pas la même. En bas, ce sont les patients les plus jeunes avec les lésions les plus focales qui donnent les symptômes les plus moteurs. En haut, les lésions les plus étendues chez des patients plutôt plus âgés où on voit qu'il y a une atteinte du cortex cérébral notamment. Et cette différence de type de maladie est liée probablement à des différences de génétique. Et la génétique est une composante majeure de la cause du Parkinson,
Chez les patients très jeunes, il y a des formes qu'on appelle monogéniques, où un gène détermine la maladie. Chez les patients moins jeunes, c'est souvent une susceptibilité, c'est-à-dire un gène qui rend les gens plus sensibles à cette maladie. La deuxième notion, elle est très très importante, c'est que la maladie existe dans le système nerveux plusieurs dizaines d'années avant que n'apparaissent les premiers symptômes moteurs. Donc lorsqu'on fait le diagnostic, en fait très souvent les patients sont porteurs de la maladie depuis pas mal d'années et parfois ils ont des symptômes prémonitoires, ils ont une difficulté à sentir les odeurs, ils ont un sommeil un petit peu agité, ils ont une constipation relativement sévère. Et donc cette période-là, dans quelques années, sera peut-être propice pour détecter la maladie avant que n'apparaissent les symptômes moteurs et la traiter plus tôt. Et pour cela, il faudra bien sûr qu'on dispose d'un traitement préventif, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. La troisième notion qui est très importante, c'est qu'on a maintenant une deuxième explication au plan des mécanismes, c'est la toxicité de certains produits. Un neurologue et un anatomiste allemand qui s'appelle M. Brack a émis l'hypothèse qu'un agent toxique va rentrer soit par les voies respiratoires, soit par les voies digestives et va petit à petit remonter vers le tissu nerveux. Et à l'appui de cette hypothèse, on voit sur ces images qu'il existe des lésions focales dans la moelle épinière, dans le bulbe olfactif et parfois on trouve ces lésions avant même que n'apparaissent les signes moteurs de la maladie. Et aujourd'hui, on sait reproduire cette évolution sur des modèles animaux. On peut obliger des petites souris à manger un produit toxique qui s'appelle la roténone, en leur mettant une canule et en les gavant comme des oies avec cette roténone. Et lorsqu'on a la bonne dose de roténone, au bout de quelques mois, ces petites souris vont devenir parkinsoniennes. Et on peut observer chez ces animaux l'existence de lésions qui sont d'abord dans le tube digestif, dans les neurones digestifs, ensuite qui sont dans les neurones de la moelle épinière et qui remontent vers les circuits moteurs. De ce fait, on sait que le mécanisme de la perte de ces neurones à mélanine dont on parlait tout à l'heure, c'est l'accumulation d'une protéine particulière dans ces neurones et que la lésion peut se communiquer d'une cellule à l'autre par contagion avec cette protéine. Donc on commence à comprendre mieux la progression de cette maladie et ses mécanismes à la suite de travaux très très importants qui abordent la génétique, la biologie moléculaire, la pharmacologie expérimentale. Et malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas encore abouti au plan des thérapeutiques, mais pourtant, le Parkinson reste une des maladies où l'intervention des traitements est majeure. Et Claire va aborder un petit peu ce deuxième sujet sur les traitements du Parkinson. Merci, Monsieur Cesaro. Donc, je pense que ce qu'on est obligé de commencer à dire, c'est tout d'abord qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui permette de guérir complètement la maladie de Parkinson. Cependant, il y a des traitements qui permettent d'améliorer très nettement les symptômes et donc d'améliorer la qualité de vie. Comme l'a expliqué Monsieur Cesaro précédemment, ce qui est essentiellement touché, le problème central dans la maladie, va être la perte de certains neurones, les neurones à dopamine. Donc là, est représentée ici donc une synapse dopaminergique. Qu'est-ce que c'est qu'une synapse dopaminergique? Ça va être la connexion entre un neurone à dopamine, qui va donc essayer de transmettre des messages en envoyant, en relarguant de la dopamine, et puis un deuxième neurone qui va avoir des récepteurs à sa surface qui vont capter cette dopamine et ainsi transmettre un message par la suite. Donc la dopamine est ici représentée par les petits triangles. Et donc, dans la maladie de Parkinson, ce qui va se passer, c'est donc la perte de ces neurones à dopamine et donc une diminution de la dopamine dans le cerveau. Et l'essentiel des traitements connus à ce jour va en fait jouer à ce niveau. Alors, comme l'a dit M. Cesaro, donc il y a la levodopa, la L-dopa, qui va être transformée en dopamine. Il y a également les agonistes dopaminergiques, qui sont la deuxième grande classe, et qui vont en fait ressembler, qui vont imiter la dopamine et vont agir comme de la dopamine sur les récepteurs dopaminergiques. Et puis, dernière classe importante, il en existe d'autres, mais que je ne détaillerai pas aujourd'hui, ce sont les inhibiteurs enzymatiques. Eh bien, les enzymes, ce sont des petites protéines qui sont là pour dégrader la dopamine. Et donc, il va y avoir des médicaments qui vont diminuer l'action de ces enzymes afin que la dopamine puisse rester plus longtemps et être présente et active plus longtemps. Ces médicaments dont vous parlez ont une efficacité sur les symptômes de la maladie, mais est-ce qu'ils sont bien supportés? Est-ce qu'ils donnent des effets secondaires?
Vous qui les avez essayés? J'ai testé et je continue. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des effets secondaires. Moi, j'ai eu pas mal de problèmes de nausées au début. Bon, mais après, mon corps, a priori, s'est habitué. Ce que j'ai envie de dire, c'est que bon, les effets secondaires sont secondaires par rapport aux bénéfices des médicaments. Moi, je dis que heureusement qu'ils sont là aujourd'hui parce que je ne les aurais pas, je ne vivrais pas la vie que je mène. Ça, c'est évident. Alors, il y a une adaptation, mais en même temps, voilà, la vie, c'est aussi s'adapter. Donc, je dirais que les effets secondaires restent secondaires, oui, par rapport aux bénéfices des médicaments. Est-ce qu'il y a un profil clair de tolérance particulier dans les classes de médicaments qu'on peut utiliser? Alors, il y a des effets secondaires qui sont un petit peu généraux, donc les nausées, les vomissements qui vont être assez fréquents, éventuellement des hallucinations, de la confusion, de la somnolence qui peuvent être assez embêtants. Et puis il y a des effets secondaires un petit peu plus spécifiques que vont être notamment donc, les dyskinésies, qui sont des mouvements anormaux, involontaires, incontrôlés par le patient et qui vont être surtout déclenchés par la L-DOPA. Et puis d'autre part, il faut parler également des troubles du comportement qui sont devenus assez médiatisés de nos jours, donc avec essentiellement les agonistes dopaminergiques, mais l'ensemble des traitements hein, peuvent donner cela, mais c'est surtout les agonistes dopaminergiques qui vont donner donc, des troubles du comportement, essentiellement un type d'achat inconsidéré qui ne correspond ni aux besoins ni aux possibilités budgétaires en fait, du patient, du jeu pathologique, donc des gens qui vont se mettre à jouer, et puis une libido exacerbée, etc. Donc il y a pas mal de choses. S'il y a ces inconvénients qui sont très importants pour les agonistes et la somnolence, pourquoi on les utilise quand même au lieu de la levodopa? Eh bien, c'est vrai que chez le sujet jeune, on va préférer commencer par les agonistes dopaminergiques. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de retarder en fait, la survenue des fameuses dyskinésies dont je parlais précédemment, qui peuvent arriver donc, essentiellement avec la levodopa et qui vont être favorisées par le fait d'avoir une demi-vie courte de la levodopa, alors que l'agoniste va plus agir en fait, sur quelque chose de continu, et donc retarder un peu l'apparition de dyskinésie dans le temps et de fluctuation d'efficacité du traitement. Donc hélas, les agonistes ont ces effets secondaires, on les connaît, et on va être extrêmement précautionneux. Maintenant, depuis qu'on les connaît, on arrive à prévenir le patient et du coup à surveiller de façon très rapprochée, en prévenant également évidemment l'entourage. Et en prévenant comme ça les choses, on arrive à avoir une bonne efficacité avec une tolérance. Le traitement va durer pas mal d'années. Alors comment est-ce que ça s'organise au cours des années chez un même patient? Voilà, donc le traitement en fait va suivre un peu l'évolution de la maladie du patient. Initialement, donc, comme je vous le disais, on commence plutôt par un agoniste dopaminergique, c'est chez un sujet jeune. Et par contre, chez quelqu'un d'un peu plus âgé, on commencera par de la L-DOPA d'emblée pour une question en fait, de rapport bénéfice-risque de chacune des classes de médicaments dans les deux types de populations différentes. Au début, en fait, il va y avoir ce qu'on appelle la lune de miel, une fois qu'on a réussi à avoir un bon équilibre avec des symptômes qui sont peu gênants pour le patient dans sa vie au quotidien. Et puis après quelques années d'évolution, il va y avoir l'apparition de fluctuations d'efficacité du traitement. Et en fait, les fluctuations, ça va être la réapparition à certains moments de la journée des symptômes de la maladie, donc notamment éventuellement le tremblement, le ralentissement, la difficulté à bouger, la raideur, parfois de l'anxiété, de la transpiration. Et dans ces moments-là, donc, il y a la réapparition des symptômes. Ça peut être notamment en fin de prise ou également en fonction de l'activité physique, de l'anxiété du patient. Et donc ce sont les fluctuations d'efficacité. Et puis à l'inverse, il peut y avoir également des dyskinésies qui vont apparaître, celles dont j'ai parlé tout à l'heure, donc l'excès de mouvement. Et donc il peut y avoir des fluctuations entre des moments où les gens sont moins bien et des moments où les gens sont plutôt dyskinétiques. Et à partir de ce moment-là, on va devoir introduire éventuellement de nouveaux médicaments, adapter le traitement, multiplier un petit peu le nombre de doses, éventuellement augmenter ou baisser chaque dose qui est prise. Et donc, on va ajouter des médicaments les uns aux autres pour arriver à obtenir la meilleure efficacité dans le temps. L'addition de médicaments avec le temps, vous connaissez. Alors, par rapport à ce schéma, on parle d'IMAO, c'est Azilect. On parle d'agoniste, c'est Trivastal ou équivalent. Mm-hmm. On parle de L-DOPA, c'est... Alors, qu'est-ce que vous prenez? Alors moi, je prends les trois dont vous venez de parler. Donc, je prends de la L-DOPA, des agonistes et de l'Azilect.
Alors c'est vrai qu'au niveau du traitement, je dirais que ce qui est très important, c'est le dialogue qu'on peut avoir avec son neurologue. Ça, c'est essentiel, parce que le malade doit être quand même à l'écoute de son corps, doit aussi pouvoir s'adapter et savoir ce qu'il veut dans le domaine du traitement. Je ne sais plus quelle était la question de départ, mais c'est vrai que c'est un travail. Bon, moi, je sais que j'ai choisi de garder des faibles doses souvent dans la journée. C'est un choix qu'on a fait ensemble qui me convient. Et voilà, bon, la lune de miel, c'est vrai, pour moi, elle est finie depuis longtemps. C'est vrai que des patients, vous parliez des patients jeunes, ça peut être très jeune. Dans mon cas, j'ai eu le diagnostic à 31 ans, donc c'est vrai que l'avenir semble difficile. Et c'est vrai que grâce à l'adaptation de ce traitement, moi, je continue à avancer pas trop mal dans la vie, quoi. Ça pourrait être mieux, mais je pense que ça pourrait être pire aussi, quoi. Vraiment. On avance sur les traitements. Claire, au bout de quelques années, on y arrive moins avec les médicaments. On ne contrôle plus les fluctuations. Il y a des blocages moteurs plus sévères, des mouvements anormaux malgré les adaptations de traitement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, quand vraiment on est sur des fluctuations motrices importantes, qu'on va avoir un peu cet effet montagne russe avec vraiment des moments où les gens sont extrêmement bloqués et puis des moments où les gens sont un peu trop mobiles, donc avec des dyskinésies. Quand on essaye vraiment au maximum d'avoir une description précise des journées, d'adapter au mieux les traitements, mais quand on n'y arrive plus, à ce moment-là, il y a plusieurs possibilités. Donc, il y a soit l'administration en continu d'un médicament, et pour ça, il y a deux possibilités. Il y a un agoniste dopaminergique qui s'appelle l'apomorphine et qui existe en injectable et qu'on peut mettre grâce à une petite pompe et une petite aiguille qui passe sous la peau. On va avoir en continu en fait l'injection d'un agoniste dopaminergique. Et puis, il y a aussi la même chose un petit peu pour la L-DOPA qui va être, elle, directement infusée au niveau du tube digestif grâce à une pompe également. Donc ça permet un peu d'aplanir les fluctuations grâce à une injection en continu. Et puis sinon, c'est aussi à ce type de patient qu'on va éventuellement proposer la stimulation cérébrale profonde, donc technique chirurgicale qui est maintenant reconnue. C'est donc la pose d'électrodes dans des zones assez profondes du cerveau, comme vous le voyez ici, donc notamment dans le noyau sous-thalamique, qui vont délivrer un courant électrique. Ce traitement va être proposé à des patients qui sont fluctuants comme cela. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là encore, ce n'est pas un traitement qui va guérir les patients. Je pense que c'est important que les patients sachent cela. C'est un traitement qui va permettre d'essayer d'aplanir un petit peu les montagnes russes, de faire aussi bien que les médicaments, mais de façon plus continue. Et là, s'il y a des effets secondaires, là encore, et les effets secondaires font qu'on est obligé de cibler de façon très stricte les patients qui vont bénéficier au mieux de cette intervention et qui ne vont pas avoir trop d'effets secondaires. On essaie de mieux comprendre la maladie avec des recherches actuellement. Au plan des traitements, qu'est-ce qu'on peut espérer ? Alors, la recherche au plan des traitements est assez variée dans le cadre de la maladie de Parkinson. On recherche à la fois des médicaments avec des nouvelles formes pharmacologiques dans les classes déjà connues, des médicaments proches de ceux qu'on connaît déjà, mais avec des administrations plus simples éventuellement. On cherche également de nouvelles classes, des classes totalement nouvelles. Et puis ce qui est important, c'est qu'on cherche aussi beaucoup. Donc là, on a des traitements symptomatiques. Ce qu'on aimerait trouver, évidemment, c'est des traitements neuroprotecteurs, c'est-à-dire qui pourraient protéger de la perte des neurones. Donc ça, c'est... C'est quelque chose qui est déjà en essai clinique ou c'est une recherche encore réservée aux modèles animaux de la maladie et avant les essais chez les patients, ces molécules ? Il y a déjà des molécules en fait qui sont connues et utilisées comme des traitements symptomatiques et chez lesquels on essaye en fait de mettre en évidence un effet neuroprotecteur également. Donc il y en a déjà quelques-uns, donc notamment des inhibiteurs de la monoamine oxydase B, et puis peut-être les agonistes. Donc il y a déjà des études qui sont faites dans ce domaine-là. Et bien sûr, on cherche également d'autres traitements. Alors Laure, cette maladie de Parkinson, on la traite avec des médicaments. Il n'y a pas que les médicaments. Comment c'est vécu au quotidien et qu'est-ce qu'il y a comme autres interventions qui ont du sens pour cette maladie ? Bon, alors pour moi, ce qui me semble déjà important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un réel dialogue avec son neurologue. Ça, c'est indispensable. Ce qui est très très important, je dirais essentiel, c'est l'entourage, les proches.
Parce que c'est une maladie qui est difficile à comprendre et difficile à vivre pour l'entourage, il faut le dire, parce que justement, fluctuante, parce qu'il y a des fois on déménage tout, puis il y a des fois on est incapable de bouger. Je pense que c'est très important aussi que le malade, le malade a un rôle, je dirais, par rapport à son entourage. C'est-à-dire qu'il est important de ne pas le faire subir plus que l'entourage ne peut le subir, parce qu'il n'a pas choisi non plus. Donc c'est une interaction, et puis je dirais que chacun, enfin, il faut qu'on reste actif, surtout, toujours actif, et qu'on ait peut-être, on peut s'orienter vers une passion, quelque chose qui nous fasse du bien, ça c'est très très important. Donc voilà les pôles qui me semblent importants pour moi. Bon, après, chacun voit son aide comme il peut, mais bon, l'entourage est important, très important. Est-ce que vous faites intervenir des spécialistes autres que les médecins et les neurologues, par exemple des kinés, par exemple Alors, des ergos pas de kiné, moi non. J'ai vu un hypnothérapeute. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai vu un psychothérapeute au début de la maladie pour accepter la maladie, parce que ça n'a pas été facile pour moi. Donc j'ai vu un psychothérapeute pendant 3 ans. Et puis autrement, non, pas d'autres spécialistes dans mon cas. Est-ce que dans le regard des autres, vous trouvez un reflet du ralentissement? Est-ce que c'est ralentissement moteur ou psychique ou les deux? Est-ce que le fait d'être ralenti pour bouger, par exemple, donne l'impression qu'on est ralenti aussi pour penser? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Malheureusement. C'est vrai que quand je suis off, ce qu'on appelle off, c'est-à-dire complètement bloqué, j'ai tendance un petit peu à parler comme ça et à regarder comme ça. Donc souvent, mes interlocuteurs soit me parlent comme ça en m'expliquant, soit s'adressent à mon mari ou à la personne qui est avec moi. Bon, maintenant, j'arrive à le vivre plutôt bien. C'est extrêmement difficile en début de maladie, c'est un coup de hache supplémentaire. On ne perd pas ses facultés intellectuelles du tout. Donc ce n'est pas parce qu'on parle difficilement ou lentement qu'on a les facultés intellectuelles qui ne suivent plus. Voilà, pour résumer, c'est une maladie qui n'est ni très fréquente, comme l'hypertension artérielle ou Alzheimer, mais ni très rare, 150 000 patients en France. Je dois dire qu'elle fait l'objet d'une attention particulière des pouvoirs publics, puisqu'il y a un plan Parkinson qui a été lancé en 2012 et qui va aider à orienter des filières de soins spécifiques. C'est une maladie qui est quand même exemplaire pour les neurosciences, parce que c'est celle où il y a eu le plus d'avancées, à la fois au plan de la compréhension des mécanismes et au plan des progrès dans la recherche, notamment sur les thérapeutiques.